comme vous pouvez voir, aujourd'hui c'est journée de tempête, il est tombé environ une dizaine de centimètres. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec Christian à Drummondville parce qu'il m'a proposé ses jantes. C'est une marque qu'on voit pas souvent, des Kinesis. What? Je vous dis pas le modèle tout de suite, je vous le fais découvrir quand on sera rendu à mon garage. Donc, on y va avec la classique Jetta Wagon TDI, ma voiture de tous les jours intuable, qui est mon fidèle destrier si on veut. Donc normalement, ça devrait bien se passer, les routes sont déneigées, c'est pas si mal que ça, comme vous pouvez le voir. C'est pas une grosse tempête. Donc je vous amène avec moi et on y va. Je viens de récupérer les roues, elles sont juste ici. Comme vous pouvez voir, c'est un modèle qu'on voit pas souvent. J'ai hâte de vous les faire découvrir parce que c'est une marque que j'apprécie particulièrement et qu'on voyait beaucoup à l'époque sur les Porsche. Donc direction mon garage, on a environ une heure de route à faire. On brave la tempête encore une fois, qui est vraiment pas si... Les conditions routières sont quand même très bonnes. Donc on se voit à mon garage. Donc, me voici de retour au garage avec notre trouvaille d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est? C'est des Kinesis K28. Kinesis, c'est une marque américaine qui débute dans les années 1995. Ils spécialisent dans la conception de roues en 3 pièces avec un centre forgé pour les voitures allemandes. Donc, principalement, BMW, ils se sont fait super bien connaître pour les Porsche et aussi un peu pour les Corvettes. Malgré ça, dans les années 2000, Kinesis, ils ont un peu de mal et ils vont... On va plus vraiment les voir jusque récemment où ils ont été rachetés par une autre compagnie. Et donc là, ils reproposent les modèles classiques qu'ils offraient au début des années 95 en Californie. Et en fait, c'est un peu pour monsieur, madame, tout le monde peut s'en acheter. Par contre, c'est vraiment des roues très haut de gamme, c'est-à-dire des roues 3 pièces aux dimensions qu'on veut. Donc ce modèle-ci, comme j'ai dit, c'est des Kinesis K28. C'est un modèle en construction 3 pièces avec un centre forgé. La particularité de celle-ci, c'est que c'est un design qu'on voit un peu moins souvent. C'est un style qui est assez rétro, c'est pas vraiment ce qu'on est habitué de voir. Et en plus, c'est comme ce qu'on appelle face mount, donc c'est-à-dire que la face, le centre en fait, est monté par-dessus la lippe dans la construction de la roue. Donc c'est des roues qui sont quand même assez rares parce que elles ont pas été produites, c'était vraiment pas des roues qui étaient produites à grande échelle, c'était vraiment sur mesure. Celles-ci en plus, elles sont en 5x114.3, donc c'est-à-dire c'est un ball pattern ou une anthrax de roue japonaise. Donc c'est vraiment intéressant de les avoir. C'est des roues que je suis vraiment content d'avoir trouvé, c'est pas mon premier kit de Kinesis, j'en ai eu d'autres auparavant, mais je suis vraiment content de les avoir trouvées celles-ci. Donc ça va aller peut-être dans ma collection, ou peut-être que je vais les refaire et elles seront peut-être à vendre, je sais pas, mais pour l'instant, je les garde.